Salut tout le monde! Dans les dernières vidéos, je vous ai montré comment j'ai isolé le toit de ma maison conteneur avec de la ouate de cellulose, les murs avec de la laine de bois, et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai isolé le sol avec des panneaux en polyuréthane. Je vais tout vous expliquer, pourquoi j'ai choisi cet isolant, comment je l'ai mis en place, combien ça m'a coûté, combien de temps ça m'a pris, bref, vous saurez tout, c'est parti! Salut, moi c'est Julien, et ça c'est ma maison conteneur. J'ai 26 ans, aucune connaissance en bricolage, mais je me suis lancé le défi fou de construire une maison écologique et abordable. J'essaye aussi de développer ma résilience et de vivre en harmonie avec la nature. Je filme tout ça, je le mets sur cette chaîne, donc abonne-toi si tu veux suivre l'aventure. Avant de rentrer dans le cœur du sujet et de vous présenter le matériel, un tout petit mot pour vous présenter ETK Productions, c'est-à-dire la structure avec les gens qui produisent les vidéos sur cette chaîne YouTube, que ce soit des tutos ou des reportages. Avec ETK Productions, on propose également nos services à des particuliers et à des professionnels pour mettre en image vos projets, que ce soit pour du motion design, du film institutionnel, de la captation multicaméra ou du reportage. Je vous invite à aller voir notre chaîne YouTube ETK Productions pour voir un peu tout ce qu'on peut faire et n'hésitez pas à nous contacter à contact@etkprod.com si vous avez des projets audiovisuels. Pour la présentation du matériel, je vous propose qu'on y aille couche par couche. On va partir de la première couche sur mon sol de conteneur et on va monter jusqu'à notre sol fini. Donc la première couche, c'est un voile anti-fluage fermacelle. Je vais venir dérouler ça sur le sol de mes conteneurs qui est en bois. Je vais l'agrafer et ça va permettre d'éviter les remontées d'humidité dans mon isolant. Ensuite, le problème avec mes conteneurs, c'est que mon sol n'est pas très droit. Il est bombé vers l'intérieur, le bois est pété à plein d'endroits. Bref, si je mettais mes panneaux de polyuréthane directement dessus, il ne serait pas très stable. Donc je vais effectuer un ragréage, c'est-à-dire venir lisser le sol pour qu'il soit bien droit et que je puisse poser mes panneaux dessus. Pour ça, je vais utiliser des granulés d'égalisation fermacelle. C'est en gros du béton cellulaire recyclé, broyé, c'est des petits graviers quoi, que je vais venir étaler sur 1,5 cm de hauteur. Et avec un sac, je peux faire 1,5 cm de hauteur sur environ 3 mètres carrés. Voilà, ça vous donne une indication pour commander vous-même ensuite ce matériel. Pour étaler mes granules de fermacelle, je vais avoir besoin de deux autres éléments. Le premier, c'est des lithos en bois classique de 15 mm, donc 1,5 cm d'épaisseur, et une règle de maçon de 3 mètres. L'idée, c'est que je vais venir mettre ces lithos des deux côtés de mon sol, placer mes granules entre, poser ma règle de maçon, tirer, et j'aurai un sol qui sera à 1,5 cm partout. C'est absolument pas la technique officielle. Normalement, j'aurais dû utiliser la règle fermacelle qui est faite, qui est prévue par le constructeur pour appliquer les granules fermacelles. Le problème, c'est que tous les magasins qui vendent ces granules ne vendent pas ou ne louent pas la règle qui va avec. Voilà. Et autant dire que sur Internet, la règle coûte 1 500 €. Et elle est presque introuvable à la location autour de chez moi, donc j'ai dû m'adapter. C'est pas la technique officielle, mais vous allez voir, ça marche très très bien. Et on continue avec l'isolant que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui, c'est-à-dire des panneaux de polyuréthane, 60 cm de largeur, 120 cm de hauteur, 10 cm d'épaisseur pour une résistance thermique de 4,65. La première raison pour laquelle j'ai choisi cet isolant, c'est que je vais le poser directement sur mon sol, puis je vais mettre un parquet par-dessus, et ensuite, je vais marcher dessus, poser mes meubles, donc j'avais besoin d'un isolant qui puisse supporter des charges, sur lequel on puisse marcher, tout ça. Et là, c'est prévu pour, donc c'est bon. Ma seule autre solution, ça aurait été de créer une structure en bois, de la remplir avec un isolant comme de la laine de bois, et la refermer avec de l'OSB. C'est ce que Yann et Alicia ont fait dans leur maison conteneur, mais c'est beaucoup plus de travail, beaucoup plus de matériaux, donc plus de budget. Et pour avoir la même résistance thermique que le polyuréthane, j'aurais dû mettre 20 cm de laine de bois à la place des 10 cm de polyuréthane. J'aurais donc perdu en hauteur sous plafond. Voilà, donc le polyuréthane, c'est plus simple à mettre en place. Ça demande moins de matériaux parce que vous n'avez pas de structure en bois, vous n'avez pas besoin d'OSB. Donc ça revient moins cher, c'est plus facile à mettre en place. Et en plus, c'est imputrescible. Ça veut dire que si vous avez un dégât des eaux, bah, le polyuréthane, lui, il s'en fout, quoi. Alors que si vous avez de la laine de bois, malgré un pare-pluie, et bien votre isolant risque d'être détruit et vous allez devoir le changer. Donc, encore une fois, j'ai trouvé que cette solution était plus adaptée.
Mais si le polyuréthane c'est si génial, pourquoi j'en ai pas mis sur toute ma maison? Et bien pour deux raisons. Le premier inconvénient de cet isolant, c'est qu'il a un très mauvais déphasage, c'est-à-dire un très mauvais confort d'été. Il protège bien du froid, mais moins du chaud. Pour moi, c'est pas un problème sur le sol, parce que là où le soleil tape le plus, c'est sur les murs et sur le toit. Et là, j'ai pas de polyuréthane. Deuxième gros inconvénient, c'est que c'est, et vous êtes déjà en train de l'écrire dans les commentaires depuis le début de cette vidéo, mais c'est un isolant synthétique. Ça veut dire issu de l'industrie pétrolière. Ça veut dire qu'en gros, c'est le pire isolant écologiquement parlant. Ça fait tâche quand on essaye de faire une maison écolo. Voilà. Donc, vous pouvez en trouver d'occasion, de réforme, mais ça reste une solution imparfaite et c'est un peu une des tâches dans mon projet de maison. Mais j'ai vraiment pas trouvé d'autre solution. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Peut-être qu'il y avait d'autres solutions ou peut-être qu'il n'y en a pas. Discutons-en, je suis curieux d'avoir votre avis. Dernier matériel dont j'ai besoin pour ce chantier, il est lié à la spécificité de ma maison qui est une maison en conteneur. J'ai des murs en tôle ondulée. Ça veut dire que mes panneaux de polyuréthane qui eux sont droits, arrivent contre ma tôle ondulée et il y a des trous un peu partout. J'aurais pu découper mon polyuréthane pour qu'il rentre parfaitement dans mes ondulations. J'ai testé cette technique, ça s'est avéré pas du tout efficace et pas du tout rentable en termes de temps et de matériel. J'ai donc demandé à Matériaux Naturels, qui ont sponsorisé une partie des vidéos sur notre chaîne, quels matériaux je pourrais utiliser. Et ils m'ont envoyé des granulés. Voilà, c'est de l'éco-graphite. C'est du polystyrène soufflé, en fait des billes de polystyrène graffitées. C'est très efficace. Et je vais donc mettre ça dans les ondulations, à l'endroit où il n'y a pas de polyuréthane. Voilà. Dernier objet dont vous allez avoir besoin, une fois que vous avez mis tous vos panneaux de polyuréthane, vous avez rainure languette donc ça s'emboîte bien, mais vous avez quand même toujours un petit espace entre les panneaux. Et là, bim, scotch étanche. Vous en avez de la marque officielle Fermacell, prévu pour ça, vous en avez du Soprema et ça, j'ai pas trouvé. Donc j'en ai trouvé un super, pas cher, qui marche très bien. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. C'est un lien affilié, ça veut dire que vous, ça vous coûte la même chose. Nous, ça nous rapporte une petite commission. Donc, n'hésitez pas à acheter vos produits via les liens dans la description. Ça nous aidera à financer les prochaines vidéos. Et voilà, c'était le dernier objet, le dernier matériel dont on a besoin pour ce chantier. Donc, c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Première étape, je suis venu passer l'aspirateur sur le sol de mes conteneurs pour éviter qu'il reste des petits cailloux, de la terre, des choses qui viendraient se glisser entre mon sol et mon voile anti-fluage. J'ai déroulé mon voile sur toute la longueur de mon conteneur. J'ai bien fait attention de le faire remonter sur les côtés de quelques centimètres. Et surtout, j'ai superposé plusieurs couches entre elles. Là, il y a deux couches de voile et donc j'ai superposé de au moins 20 cm pour qu'il y ait une bonne jonction. Je suis venu ensuite agrafer tout ça pour que ça soit fixe. J'ai vissé mes litos sur les côtés du conteneur. Pourquoi sur les côtés? Parce qu'en fait, c'est vraiment bombé vers l'intérieur. Mais sur les côtés, c'est droit. Donc, j'ai mes litos vissés sur les côtés. Et là, on voit ma règle de maçon qui est posée sur mes litos. Elle est bien droite, comme l'indique mon niveau à bulle que j'ai habilement scotché sur ma règle. Et on voit très bien que le trou ici est beaucoup plus important que sur les côtés. Comme je vous le disais, c'est bombé. Et une fois que je mettrai mes granules d'égalisation qui sont juste derrière, eh bien, on aura un sol bien droit. Les sacs font 20 kg, ça va, c'est assez léger. Je viens ouvrir ça et je vais répartir mes graviers un peu partout entre mes litos. Donc là, j'ai calculé qu'il me fallait à peu près 4 sacs pour faire mes 6 mètres de longueur. Je vais étaler avec le balai sommairement, juste pour éviter qu'il y ait des gros tas. Et voilà, qu'on en ait un petit peu partout.
Donc là, vous voyez, j'ai étalé un peu sommairement les graviers. Je vais venir tirer ma règle de maçon. Pourquoi une règle de maçon ? Parce que c'est bien droit, donc ça va bien nous servir. Je vais venir la tirer progressivement vers moi, en faisant attention qu'il y ait toujours des graviers qui viennent avec moi, qu'il n'y ait pas de trous. Donc la technique, ce que je fais, c'est que je crée une petite montagne le long de la règle. Comme ça, quand je tire, cette petite montagne, ben, elle remplit progressivement tous les trous. Ah, et là je vois qu'il y a un trou, je m'arrête, je reviens en arrière, je rajoute un peu de gravier et je continue. C'est tout propre, tout beau. Bon, et c'est pas une science exacte, hein. C'est-à-dire que s'il y a des petites rainures, des machins, c'est pas grave, quand vous allez mettre vos panneaux, ça va se réétaler, se rééquilibrer. Mais là, déjà, on est beaucoup plus droit qu'avant. Allez, on va poser les panneaux de polyuréthane maintenant. Pour marcher maintenant, je vais poser des panneaux délicatement sur le sol. Hop. Et ça va me permettre d'accéder un peu partout pour poser mes panneaux. Je vais pouvoir venir installer mon premier panneau. Je vérifie bien que la rainure et la languette sont dans le bon sens. Je vérifie aussi, avant de l'installer, que sur mes lithos, je n'ai plus de granules de fer macelle. Voilà, sinon ça risque de croquer un peu sous mon isolant. Et ensuite, j'installe la première plaque. J'essaie de ne pas la faire glisser pour ne pas trop bouger les granules de fer macelle. Voilà. Et elle rentre comme dans du beurre. Voilà. Et ensuite, je vais enchaîner. Pour découper le polyuréthane, c'est assez facile, avec un couteau de cuisine ça marche très bien, avec une scie à métaux encore mieux, avec une scie sauteuse électrique encore mieux. Donc voilà, j'ai mis une lame de 127 mm dessus, parce que il faut que ça puisse sortir et re-rentrer. Voilà, vous allez voir, ça se coupe assez facilement. Maintenant que j'ai placé tout mon polyuréthane, je vais venir combler les ondulations de mes murs avec les billes d'éco-graphite que j'ai trouvé chez Matériaux Naturels. Attention, normalement c'est un produit qui est censé être soufflé, donc n'hésitez pas à le compacter à la main pour que ça rentre mieux, quoi. Avec à peu près 10 cm là que je vais remplir, j'ai une résistance thermique qui va de 3 à 3,5, donc c'est un peu moins efficace que le polyuréthane, mais ça reste tout à fait satisfaisant. Et la dernière étape maintenant, c'est venir mettre notre scotch étanche sur toutes les jointures entre les plaques pour renforcer l'étanchéité du tout.
Voilà, j'ai installé tout mon polyuréthane. Bon, vous voyez, c'est assez rapide, assez facile et surtout très pratique puisque maintenant, je vais pouvoir directement poser mon parquet sur les dalles, sur les panneaux de polyuréthane et meubler ma maison, quoi. Mon sol est fini. Voilà, je vais vous expliquer maintenant combien ça m'a coûté et combien de temps ça m'a pris réellement sans le montage pour faire toute la maison. Commençons déjà par le temps que m'a pris ce chantier. Pour commencer, on a mis une journée avec mon frère à trouver la bonne technique, à tester des choses. Et quand même, en une journée, on a réussi à isoler les deux conteneurs du fond, c'est-à-dire 58 mètres carrés. Ensuite, moi, j'ai pris 3 jours supplémentaires pour isoler les deux conteneurs qui restaient, donc les 58 mètres carrés qui restent. Et surtout, faire toutes les finitions, le scotch, les petites cales, les petites billes d'éco-graphite, tout ça. Donc c'est un chantier qui se fait bien tout seul, c'est plus rapide et plus sympa à deux. Et en tout, j'en ai eu pour 4-5 jours, si on compte vraiment globalement tout, le temps de réfléchir aux solutions et le temps aussi d'aller acheter le matériel. Et en parlant d'acheter le matériel, on va voir combien tout ça m'a coûté. J'en ai eu pour 230 € de voile anti-fluage, 60 € de litho, 810 € de granules d'égalisation, 25 € de règles de maçon, 3 500 € pour 120 mètres carrés de panneaux de polyuréthane, 50 € de scotch et 30 € de billes d'éco-graphite, pour un total de 4 705 €. Bon, là je vous ai annoncé un prix, mais en réalité c'est pas ce que j'ai payé, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, je vous donne une petite astuce, dans les magasins de bricolage, vous pouvez souvent négocier le prix. Demandez à votre magasin de s'aligner sur les prix de la concurrence. Ça permet de chercher le meilleur prix, et ensuite, bah de l'acheter quand même là où vous avez vos habitudes d'achat. Ça permet toujours d'avoir le meilleur prix. Et la deuxième chose, c'est que souvent dans les magasins, bah, y a des soldes. Il y a des cartes de fidélité qui vous donnent par exemple une journée à moins 10%. Donc si vous vous y prenez bien au bon moment, bam, vous alignez les prix sur la concurrence, vous avez des soldes, vous avez 10% sur tout le magasin, vous combinez tout ça, et bah, comme moi, vous n'allez pas payer 3 500 € de polyuréthane, vous allez en payer plutôt 2 500. Vous n'allez pas payer 800 € de granules d'égalisation, vous allez en payer 600. Globalement, sur tout ce que j'ai acheté pour mes travaux, j'ai toujours réussi à avoir 15-20% minimum de réduction. Donc voilà, planifier en avance ces chantiers, ça permet aussi d'avoir un budget qui est plus agréable à regarder dans les yeux. Voilà, maintenant vous savez comment j'ai isolé chaque face de cette maison conteneur. Polyuréthane au sol, laine de bois au mur, ouate de cellulose sur le toit. Libre à vous de m'imiter, de vous inspirer de ce que j'ai fait ou alors de trouver d'autres solutions plus adaptées à votre projet. Dans pas longtemps, je sortirai une vidéo très certainement où je vous partagerai mon étude thermique pour vous montrer à quel point tout ce que j'ai mis en place est performant. Ou non, on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà, en tout cas, si vous avez appris des choses, si vous trouvez que ce qu'on fait est utile, bah, partagez cette vidéo, abonnez-vous, et si vous le pouvez, soutenez-nous financièrement sur Tipeee ou sur Utip pour nous aider en fait à réaliser les prochaines vidéos. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un reportage sur une maison en bois terre paille. Donc, un sujet peut-être un peu plus écologique que ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Mais voilà, à très bientôt sur la chaîne. C'était Julien. Au revoir.